On est de retour. Continue bonus débloqué. Ça c'est parce qu'on n'est pas allé encore le faire ça. Mais je sais pas où c'est. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. La dernière fois on avait combattu Médusa, on a récupéré ça. Pas du tout, si. Depuis ça, non, si c'est ça. Par contre, je suis en train de me dire que... Parce que c'est vrai que comme je disais à chaque fois, ouais, on utilise toujours un peu les mêmes armures et tout machin. Mais ouais, spécial quoi. On risque de débloquer les choses spéciales. Et honnêtement, je suis quasiment sûr que... J'avais expliqué que Shayna, un ami du Discord... Allez voir sa chaîne, au cas où si vous êtes... Si vous aimez beaucoup Elite Dangerous, tiens, du coup, ça fait un peu de pub pour lui. Si vous aimez beaucoup Elite Dangerous, il fait des vidéos dessus, genre des esprits narratifs et tout ça, super bien branlé. Donc, allez voir ça. Mais je suis quasiment certain, c'est des vieux streams, ça fait plus d'un an, qu'il avait pas d'armure ou de choses légendaires comme ça, avec des fragments. Donc ouais. Ça me dit rien, en tout cas, ça me dit vraiment, vraiment rien. Alors, bon, on commence à faire un peu le tri de la zone, là, ce qui est bien, ce qui est très bien. On va se téléporter, je crois, à Moria, et on va faire... C'est quoi, ça? L'antre du spectre. Ah! Si on allait se faire le spectre, parce qu'honnêtement, on va peut-être sûrement avoir pire après, mais j'avoue que ce spectre-là me casse un peu les noix. L'archer, là. Enfin, maintenant, ça va. J'ai un peu appris à le combattre, donc ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, un peu relou. Attends, on va faire d'abord... cette crypte, là. Je me demande si on n'a pas loupé. Ouais, louper des choses ici, parce que ça m'a l'air très vide, en fait. On peut aller faire... Oh, merde. On peut aller faire ça. Y'a quoi, là? On l'a fait ça? Hein. Si on l'a fait, c'est pas marqué, y'a rien. Enfin, si c'est marqué, c'est barré, c'est coché. Oui, on l'a fait. Je vais aller regarder s'il y avait des mods. J'ai trouvé genre 4 mods. Waouh, putain de merde. Si nous prenons le fer, petit pas à ma part. Quand on aura tué, c'est bon. Oh, d'accord. J'ai trouvé 4 mods, c'est nul. Oh la vache! Attends, on a la bonne armure là? Pardon. Fait n'importe quoi. C'est ça que je voulais faire. Yeah.
chaud. Qu'est-ce qu'il est bien cet arc. Tiens, un petit coup de bouclier d'Athéna. Les débuts de vidéo, j'ai un peu du mal à chaque fois. Les débuts de vidéo, j'ai un peu du mal à me remettre dans le bain. Je crois qu'on l'a vu, la directe. On aurait même honnêtement vu le monstre et tout, parce qu'il est... Oh merde. Vu qu'il était pas très dur à esquiver, j'aurais pas dû me prendre autant de dégâts. Faut attendre qu'il nous voit. Ah, je me suis mis une... de la défense. Oh là là. On l'a tué le... son ours, parce que ça s'en met un autre quoi. Merde, trop lent. Ça c'est son ours. Là, on a le petit muret qui protège. Joli enchaînement. Oh putain, le coup de boule. Ah, l'esquive. Okay. J'aime bien notre équipement. Ouh, on peut augmenter les armes. On a eu assez de récompenses. Je suis encore perplexe sur quelle arme on utilise. Là, c'est pas mal, mais les combos aériens, les dégâts en plus. Je commence à utiliser un peu plus l'épée. Ça, mais c'est vraiment parce que comme ça nous évite
d'utiliser des potions pour le moment. J'essaye de limiter en fait l'usage des potions. Donc ouais, je fais beaucoup de ça. Attends, c'est le jaune? Ouais, c'est le jaune. Et là, tu vas me dire qu'il y a genre rien dans le... Je vais y arriver. Il y a un moment contre un des monstres, je voulais faire ça, mais j'avais du mal à la sortir. Je l'ai sorti à un moment, ça a fait beaucoup de dégâts de d'étourdissement, mais ouais, j'ai eu un peu de mal. On va pas aller là-bas. Même si maintenant, je pense qu'on peut combattre des monstres comme ça. Sans trop de problèmes. Mais j'aurais bien voulu avoir une touche pour changer d'équipement rapidement là. Ça aurait été trop bien. J'ai regardé les. Oui, vu que je parlais des mods, en fait c'est pour ça. Surtout. Voir s'il y avait, y avait ça, mais il n'y a pas. Là, du coup. Il est violet, lui. Le casque indemne, quand on fait ça, là, quand on fait du. Quand on one-shot pas. Le fait qu'on l'ait genre niveau 4, là, je crois, on a quoi? 150% d'étourdissement. J'avoue que ça, quand même, ça aide. Hein. C'est pour ça que je me force. Je me fais un peu chier à chaque fois à avoir deux types d'équipements, mais. Ça fait une différence. On l'a fait? Ah non. Quoique. Si on l'a fait ça. Ah, il y a un truc qui va pop encore. Je sais plus. Merde, putain! J'ai esquivé pourtant. Fais chier les mecs. Ah, le troisième. C'est le troisième que j'essaye de parer alors que c'est le troisième qu'on peut pas parer, c'est bien. Ah! Oh, on a 37 de combo. Attends. 42. Non, attends, on est à 137 de. Je crois qu'il a disparu. Attends, 137. Donc du coup, on avait dit. On passe à 156. C'est pas énorme, énorme. Enfin après. 10% d'étourdissement par niveau de combo quand même. Ah, ça peut être intéressant. Ah mais il est disparu.
pour garder le combo, il faudrait faire de la flèche. Non, j'aime pas. C'est trop... Non, c'est pas... Pas assez bon. Si on avait un système, enfin, peut-être une bénédiction ou un truc, qui permet de garder le combo, genre, trois fois plus longtemps, minimum, honnêtement. Trois fois plus longtemps, minimum. Là, oui, ça serait extrêmement puissant. Mais j'arrive pas à garder le combo. Je fais des... Des blancs, en fait. Genre là, par exemple, il faut des directement tirer des flèches. Adieu. Faudrait directement tirer des flèches quand on a des blancs comme ça, et moi je veux pas assez vite. Je suis pas... Je suis sûr qu'il y a des gens qui font des trucs de fou, qui enchaînent des trucs encore mieux que moi, mais... Je suis pas comme ça. Non mais on l'a fait ça. Hein. Je me débrouille très bien avec ma lenteur de la hache. Hein. Est-ce que ça on l'a fait par contre? Je crois. Ça me dit quelque chose. Ouais, on l'a fait. C'est bête, ils auraient dû garder les lasers désactivés parce que sur le coup. Oh là là. Merde, tout ce qui vient là. Pas mal, l'enchaînement. Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais toucher l'autre en même temps. Voilà. Ouais, du coup, ça fait mal à mon endurance. Bon, on va faire une potion de ce genre. Ah, je n'ai pas réussi à esquiver. Ah, mais on n'a pas fini, gros. On y arrive, hein? On a failli. Putain, il y a un Cerbère et tout, chier.
rongeurs. Peut-être que je change d'armure. Ah putain. Non, c'est bon. J'aime bien la facilité dont on peut enchaîner les combos. C'est assez rapide en fait. Il n'y a pas trop de délai entre attaque et attaque spéciale et tout ça. Ça j'apprécie beaucoup beaucoup. Un seul coffre, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un truc invisible ? Ah non, ça manque. Ah, oh, un nuage noir. Faire attention. Une torche. Je vois pas de feu en fait. Après, si je re-appuie là, ça fait quoi? Ah voilà. Là, il y aura une torche. Mais on est d'accord qu'il y a zéro torche. Hein. Pas vu de torche. Ouais, non, je crois qu'il va falloir tirer de loin, en fait. Il va falloir tirer de super loin, je pense. Ok, le truc il part. Un truc qu'ils auraient pu peut-être ajouter. Pourquoi il y avait des caisses? Un truc qu'ils auraient pu peut-être ajouter, ce serait que Phosphore, il l'aide. De temps en temps. Genre... ils disent... ah bah tiens. Genre si on tourne un peu en rond... Il fait des signes comme quoi il a vu quelque chose ou des trucs comme ça. Ça aurait pu être pas mal. Je pense. Attends, on va peut-être pas toucher ça. Je pense que ça aurait été pas mal. Ce serait pas trop... genre triche ou aide et tout ça. Tenue victorieuse. Mais je pense que ça serait intéressant d'avoir ça. D'avoir un système comme ça. Reconstitution 80% fragmentée lors d'un coup fatal, 4
Plus 4 supplémentaires à la jauge de combo pour coup mortel. Non. Bah ça, il faut tuer, quoi, en gros. Vu la gueule de nos monstres. Y'a quoi là-bas, hein? Vu la gueule de nos monstres, avec les HP qu'ils ont, on passe pas vraiment notre temps à les tuer, quoi. Vu contre un boss, ça serait pas vraiment intéressant, du coup. Ah, d'accord. Bah merde alors. Bah merde. Qu'est-ce que je passe un bon moment sur le jeu? J'adore. On va faire encore un épisode, je pense, avec cet accoutrement, puis après on changera encore. Ok, Ambroisie. Ok, coffre là. Ça, c'est loin ou pas? 800, oui, c'est loin. Donc du coup, nous, on veut monter la montagne. Pourquoi tu t'es énervé, Typhon? On le fait en une fois et on utilise une potion au cas où. Ah, maintenant on peut monter quand même assez haut, ça va. Ça fait 3 petits sauts, je crois, une barre. Ouais, ça fait 3 petits sauts. Poids lourd.
pas très compliqué. Oh, plastron de l'aigle. Il y a aussi une chose d'augmenter les armures, ça va nous augmenter le pourcentage de récolter là. Je crois qu'on passe à 20%, c'est toujours ça. Alors, reconstitution à 4% d'un fragment de santé en cas d'atteinte. Ah! Là, ça peut être intéressant, ça, par contre. Plus 3 supplémentaires à l'ajout de combo en cas d'atteinte avec une arme lorsque la santé est complète. Mm-hmm. Ça peut être intéressant. Ouh, regardez-moi, c'est stylé. Alors, c'est quoi? C'est Blastron de l'Aigle. Est-ce qu'on a... Je crois pas qu'on ait un casque. On peut mettre ça. Ça va avec... Ah si! Casque L de l'aigle. C'est intéressant cet ensemble. Donc alors 40% de dégâts lorsque la santé est complète. Ah ouais, donc quand même. Non, ah oui, ils sont. Ah ouais. Santé est complète, 65% d'étourdissement parce que santé est complète. 65% c'est Comac. Reconscient de 4% des fragments de santé en cas d'atteinte. Là ça pourrait être intéressant. En plus c'est stylé, hein. Mais ça pourrait être intéressant. Ça voudrait dire que faut jouer avec la santé complète. Surtout, évidemment. C'est un peu le but de l'armure. Mais du coup, on a un régène sur coup, en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple, hein, pour être full vie tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, si on n'a pas de régène... Ah, y a un truc intéressant là-bas. On dirait qu'il me manque quelque chose. Je reviendrai plus tard. Ah, ok. Si on n'a pas un régène sur coup, un régène en fait facile à avoir, parce que c'est un régène sur esquive, c'est chiant. Un régène sur parade parfaite, c'est chiant, ça c'est pas tout le temps. Donc ça c'est, on peut pas compter sur ça. Après spammer les potions non plus, c'est pas vraiment intéressant parce que hein, on va tout cacher. Après on a les potions d'attaque qui font un régène. On va d'abord prendre le coffre. Qui font un régène sur coup par contre, donc ça oui, ça c'est bien. Mais là du coup on aurait l'armure aussi qui régène. Oh, des chevaux en or. Donc du coup, ça pourrait être intéressant maintenant de mettre le set complet, quoi. Par contre, il faut augmenter l'armure. Et le truc de fait d'avoir des combos au niveau aussi. De monter les combos plus facilement. Pas besoin de le tuer. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, l'armure augmentée, ça fait plus 3, genre on tape une fois, on a directement 4 de combo, donc honnêtement ça et ça serait par coup. Bon, bien sûr il faut la vie entière évidemment, mais ça serait intéressant. Par exemple là ça devrait, ouais, ça serait pas mal parce qu'on taperait, on ferait plus de combos. Et si on le mêle avec la coiffe du visiteur inconnu, on aurait plus de dégâts et plus d'étourdissement. Et sinon, on aurait quoi? On aurait dégâts, mais il faut la santé pleine, et étourdissement si la santé est complète aussi. Je sais pas, les deux se valent là par contre, les casques. Si on arrive à rester full vie, ouais, ça c'est mieux. Mais sinon, si on a la facilité à augmenter les combos, genre surtout de la rapidité, ça peut être intéressant. Et comme j'ai dit, vu que les combos... Je sais que je parle beaucoup, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez.
faut bien qu'on discute du jeu et tout et des builds. Vu que j'ai du mal à garder le combo en vie parce que je fais pas trop attention et tout ça. Vu que je fais pas trop attention et tout, s'il peut monter extrêmement vite, là c'est intéressant. Que je fais 3 coups d'épée, on est déjà à plus de 10. Oui, non, là ça devient cool. Là oui. Là je dis pas non. Si en 3 coups d'épée, on est à 10 déjà. Oh la vache, ça change même les animaux en fait, d'accord. J'avais pas fait attention à ça. Ça change même les animaux. Putain de toi. Ah putain de... Je rêve ou on peut... Je rêve ou on peut enchaîner après ça, je peux enchaîner avec une grosse attaque de... Grosse attaque de Marco. Enfin, pas marteau, mais... Je sais pas si les 5000 c'est le triple de dégâts ou pas. Pourquoi attaques-tu ce que cette contrée recèle de bon, petite? Nous devrions ensemble apporter l'équilibre.
Ouais, je sais pas si le triple dégât c'est quand on fait que 5000. Je pense. Je pense. J'avoue que oui, c'est pratique. Mais... D'accord. Je sais pas, j'hésite encore pour l'armure. On va voir quand on l'augmentera. De toute façon, il faut que... Ah oui, on a ça aussi. Non, on fera les augmentations après, c'est pas grave. De toute façon, il faut qu'on l'ait au minimum niveau 4. Pour que ça soit utile, donc on a le temps. Magnifique. C'est quoi ça? On n'est jamais vu ici. Non, on n'est jamais venu. On peut rien activer. Pareil ici. Ça doit être un bloc. Là, on a un deuxième bloc. Troisième bloc. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu vas me dire qu'il faut monter, genre faut aller tout en haut et ce serait tout en haut qu'on débloque les choses. Parce que c'est ça. Ça c'est l'île où on a combattu Médusa. J'en ai encore des plantes. Oh. Est-ce que c'est pas là où elle nous a dit qu'il fallait quelque chose? Est-ce que c'est juste du décor, j'ai l'impression?
Pourquoi on a 3 blocs? On peut pas lire les enseignes comme ce qu'on a là. Ça fait du bruit pourtant. Ah, je suis en train de me dire, parce que je pense qu'on peut interagir avec, mais je suis en train de me dire, c'est pas lié à Athéna. Genre, si on la sauve, elle va nous donner la bénédiction de pouvoir lire les choses comme ça. Je suis en train de me demander, il n'y a pas un truc. Parce que là, je vois rien du tout pour activer en fait ce puzzle. Et la tablette là, elle était avec la substance rouge. Donc pour moi elle est importante et puis elle fait du bruit en plus. Donc ouais, ouais on va partir, ça a rien. Ok, du coup, Tartare. On va faire la faille et je pense qu'on va aller combattre le deuxième héros. Vu notre niveau, je pense que ça passe. Hop là. Donc on peut vraiment l'invoquer quand on vole? Attends. Non, il faut quand même être à une certaine distance du sol en fait. Ouais. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça marche ou pas toi, ça? Bien ce que je pensais. Ramène ta fraise. Ok, c'est là, elle a dit que non. Je pouvais pas le faire. Ah merde. Ne me dis pas que la faille, elle est en dessous. Si, elle est en dessous. Ah, peut-être qu'on peut pas combattre le héros. Le coffre, ça va être la même chose. Ouais. Ok, c'est celle-là. Coucou, je suis là. Merde, non, ça va. Allez, à toi.
Dieu. Maintenant, c'est tôt. C'est lui ? Ça doit être lui. Ok, c'est parti. Il a déjà plus de 50% de ça. Son étourdissement. Tu fais mal. C'est ça que je voulais faire. Ça fera l'affaire. Aile de vanité. Ah, c'est pas mal. On va garder les ailes mécaniques pour cet accoutrement parce que j'aime bien la prolongation des plume là, ça rappelle un peu la jupe. Hein, ça fait très mécanique. On va faire. Allô. Comme ça. Hop là. Du coup, je crois que ça, on peut pas le faire. Normalement, c'est ça. Je crois qu'on peut pas le faire. J'aime pas trop quand elles sautent, les ailes, elles sont pas dépliées au max, en fait. Quand elles sont dépliées avec les plumes, ça fait joli, mais... Ouais, non. Bon, c'est pas grave, ça change un peu. Ah, quoique. Non, c'est bon. Par contre, les potions. 10, ça va. Atalante. Allez, classe. Attends, y'a quoi? Y a juste à la tuer. Ça? Ah, c'est ça, trop bien. Vous voyez, ça c'était très très bien pensé. Ça c'était très très bien pensé, le coup de la lave. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment bien fait dans le jeu. Parce que là, je me disais... Genre pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, ou alors pas assez vite et tout ça. Genre c'est de la gymnastique en fait, de puzzle d'habitude, et le jeu explique bien.
On voit la truc qu'on doit activer, la torche qu'on doit activer, mais elle est verrouillée. On voit ça en arc de cercle et tout ça. Donc on doit faire ou ce côté-là ou de l'autre côté, comme ça. Il n'y a pas de feu, mais il y a un truc qui brûle. Enfin voilà, c'est bien pensé, je trouve, à chaque fois. C'est pour ça que... Très bonne chose, ce jeu. Il fait très bien les puzzles, je trouve. Il n'y a pas de choses tirées par les cheveux, en fait. Il n'y a strictement rien qui est tiré par les cheveux. Oh, ça va être fun, tu vois. Ok, il y en a deux à invoquer. À invoquer. Ah, à brûler. Attends, comme ça. J'ai pas eu l'effet d'activation. Je sais pas si ça a marché. Celui-là qui bougeait, là. Peut-être comme la dernière fois, on avait eu un peu la hitbox décalée. Ouais, non, si ça a marché, ça va. Ok, nickel. Par contre, celui-là... Bah, du coup, on fait pareil. C'est du même endroit. Après, pas l'impression qu'il faut les activer dans l'ordre, donc c'est pas grave grave, on a beaucoup d'énergie, on a des potions, donc ça va, c'est passé, même si je passe à travers apparemment, merde, c'est pas passé, on va devoir utiliser des potions. Ou pas. C'était un peu compliqué, mais ça va. Bon, j'ai pas d'ambiance. Joli. Allez, c'est parti. Au moins c'est un vrai bon duel parce que il nous donne un truc de vie au début, ça c'est bien, ça je trouve ça vraiment cool. Allez, c'est parti. Talente, héroïne altérée. Ok, très bon, on a fait nos entrées. Ah putain, j'ai cru qu'il allait nous protéger la carcasse en fait du... de la merde. On a utilisé, je vais faire potion défense et attaque. Ah putain de merde. Oh la vache. J'ai pris double dégâts là.
Et à nous deux. Shot. Pas mal le 6000 là. Allez. Allez, mettre aide-moi, Phoenix. Paul fort. Paul Flebla, blablabla. Ma talente au pied léger voilà. Ne parvint pas à échapper à l'arme de Phoenix. Mais son esprit était libre. Phosphore. Médaillon d'Atalante. C'est con, trop utiliser de potions sur la fin. Mais bon, j'avais pas envie de me refaire. En fait, j'ai utilisé des potions parce que... Tout simplement, le one-shot. Hein. Le one-shot m'a fait un tout petit peu peur parce que j'étais quasiment certain d'être quasiment full vie. Et elle m'a one-shot quand on avait ça. Je crois. Ornée d'une défense du sanglier de Calydon, la bête dont Atalante a versé le premier sang, on dit que rassembler 4 médaillons révèle une salle secrète. Une salle cachée. Ça marche, pardon. Bon bah du coup elle nous fera plus chier. Je pense qu'elle nous fera plus chier du tout. Bah oui, enfin elle nous fera plus chier ça, oui j'ai compris. Mais genre on n'aura pas le prochain héros, je crois. Faudra qu'on avance en fait dans la prochaine zone. Parce que je pense qu'il protège en fait des zones, les héros comme ça. Donc du coup on est tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Relève-toi. Tiens, 4100. Je voulais faire ça parce qu'on avait le buff de la potion encore. Cool, merci. Ah putain, je l'ai pas esquivé. J'allais dire, j'espère que je vais le geler, mais en fait, j'ai pas changé d'équipement, donc j'ai l'arc qui fait des dégâts, pas qui gèle. Donc c'est un peu con ce que j'ai fait. Infestation. Bah tiens, je crois que c'est notre skin. Ouais. Dans les mains experts, cet arc peut remplir le ciel de flèches qui s'abattront comme une nuée de criquets. Ah, d'où le nom infestation. Okay. Pas mal, pas mal. On a une zone de neige après.
Donc du coup ça on peut pas y aller. Tiens, on va faire ça, on va se refaire des potions aussi. Alors, on a fini l'énergie, ça c'est bien. La vie pour le moment, c'est très bien, à 9. Après, qu'est-ce qu'on... je crois qu'on va garder pour la défense à 100%, parce qu'après on a quoi? J'ai 200 de dégâts aux ennemis assaillants. 2140 aux ennemis assaillants, ouais. Et après, c'est renvoie les projectiles qui infligent alors 100% de leurs dégâts. Donc en gros, j'ai pas besoin de parer, quoi. Ou alors, reconstitution de vie. Bah si on veut, à la limite, j'ai envie de dire... Si on veut changer d'armure et optimiser au maximum cette nouvelle armure là qui va régène, il faudrait augmenter la régène de la... de la potion de... d'attaque. Comme ça, on reste full vie tout le temps et on aura des bonus de dégâts et tout ça. Faut voir. Ah, des fois il y a des champignons, des fois il y a des cristaux. Oh. Non, c'est ça que je vais faire. Très con. L'île. On a ça. Attends, j'ai trouvé des trucs où là. Ok, d'accord. Un peu loin. Je sais pas si on la one shot celle-là. Merde, mais que je suis con. Non mais gros débile quoi. Bah oui, c'est sûr que comme ça on va pas la one shot. Hein. Vous avez remarqué, je commence à faire des enchaînements, des combos un peu. Genre, je sors un peu les mêmes. Je commence à avoir mes propres combos. Avec la hache et tout ça. Je trouve ça drôle. C'est pour ça que j'aime bien. Genre, j'ai mes propres enchaînements. Ok, on a le... 2 torches. Je me demande s'il faut pas allumer ces torches d'abord. Non, on peut pas. Alors, il faut du lourd. L'autre s'est éteint.
Bon, c'est pas grave. Il nous faut un truc lourd. Peut-être à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Tu veux pas attraper? Vire-moi ça. Un bordel, quoi. Je peux pas. Ok. Si elle veut pas le prendre sur la tête, au-dessus de sa tête, parce qu'il y a le plafond. Est-il vrai, ô Zeus, qu'Apollon a mené un duel musical contre un satyre? Oui, Martias, qui jouait de l'Holos. Il a défié Apollon. Il jouait pas mal, mais Apollon, c'est mon fils. Et le dieu de la musique, en plus. Pas une bonne idée. Ouais, j'avoue que c'est un peu con. 1, 4, 3. Je suis la vérité sans fin. La renaissance de ton monde. Ok. Un 4-3. T'as plus ton héros ici, hein, Typhon, donc il va falloir que tu te la fermes. Je vois pas pourquoi il l'ouvre. Hein. Hihihi. Voilà. On ira augmenter quand on sera à la fin de notre épisode. Tu sais qu'on a pas mal de trucs. On a les armes. Mais c'est tout. Non, on n'a pas grand chose. Merde. On est loin, on peut pas se téléporter. Pas de cheval niveau 3, enfin j'en ai pas mis. Juste pour changer un peu, parce qu'on peut pas changer les skins des chevaux. Donc je me suis dit pourquoi pas changer comme ça. Ah merde, je crois que j'étais une plante, un coq. Ouais, non, ouais. Je reviendrai plus tard. Il y a un truc à lire, je suis sûr que c'est Athéna qui donne ça. Ouh. Au lieu de 4, on prend 6. Oh
petit bateau. Il y a deux torches allumées. C'est peut-être lié où elle a dit que... Ouais non, c'est sûrement lié. Donc, par contre, je veux bien aller sur la... Oh, c'est un boss, ça, non? Peut-être pas. Je dois dire que c'est fortiche la technique d'Ulysse pour dire au Cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule oh, « Personne m'a aveuglé, personne m'a aveuglé !» Ouais, mais il est un peu comique le truc. C'est ça que je vais faire. Fait pas beaucoup de dégâts d'étourdissement ça. Merde. Non, pardon. J'ai oublié d'éteindre. J'ai oublié ton caillou. Ça arrive ? Moment d'inattention, un peu trop de confidence. Ouais, c'est la confidence qui m'a tué. Non, j'avoue, là, j'ai pas de grosses. À part les. On par ça. Il me manque quelque chose. À part ça, je reviendrai plus tard. J'avoue, là, c'était pitoyable. Tout ça parce que je voulais pas utiliser les potions. Quoi. Je dois dire que c'est fortiche la technique d'Ulysse pour dire au Cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule oh, « Personne m'a aveuglé, personne m'a aveuglé ah, !» Putain. Pourquoi je fais le coup ? Je vais prendre un. Se montrer malin, n'est-ce pas? Il y a ces carrés aussi. J'ai l'impression que ça fait partie de la chose qui nous manque. Autour d'Ulysse à Ithac, sa maison était remplie de prétendants. Et tous voulaient sa femme et son trône. Ça va, je sais. Alors Pénélope proposa un contrat.
tirer une flèche à travers 12 haches à l'aide de l'arc de son épée. Ouais. Ouais, y a plus compliqué quand même. Après, pour l'habilité, comme je le disais, elle fait pas beaucoup de d'étourdissement, là, les épées. Et il faudrait... à la limite, la version chargée. Enfin, pourtant, il y a écrit 1092 dégâts des... Non, et 1092 d'étourdissement. C'est quand même beaucoup. Ouais, peut-être ça. On va peut-être l'augmenter, avoir la deuxième version. Comme ça, on l'a fait instantanément. Parce que bon, la version chargée, c'est un peu bof. Je préfère encore faire un... taper au marteau, quoi. Mais ouais, genre taper 4 fois, là, ça peut être pas mal. Puis en plus, nous, avec notre casque, là, il y a une chance de... Qu'est-ce que je fais, moi? Il y a une chance que dégâts triples ou alors... étourdissement triple. S'il faut, ça marche sur les 4 coups, hein. Ça peut être pas mal. Entrée dans contrée de la forge. C'est un nouveau lieu. Attends. Ah oui. Vif argent. Ah, c'est les gens bizarres là, sorte de robots. De géants, on dirait des géants mécaniques. Attends, mais moi j'ai un coffre à... Ah merde. Ah là. D'accord. Je me suis dit ça, il faut tirer une flèche à l'intérieur. Putain, voir. J'ai cru que c'était un mur. Tellement que c'était sombre. Ah, ok. Ah, ça c'est pour me montrer qu'il faut mettre quelque chose en dessous. Ça c'est complètement pour me montrer qu'il faut mettre genre une boîte. Je pense, pour bloquer la porte. Ça, c'est complètement ça. Attends, ça. Ok. Par contre, est-ce que je peux passer en dessous avec ça? Ça m'a l'air un peu petit. M'en faut une deuxième. M'en faut une deuxième. Peut-être pas, hein. Après peut-être qu'il faut... Il y a peut-être une autre façon de passer. Hein, mais ouais, le coup d'avoir mis un tronc d'arbre là qui casse, c'est pas mal, bien joué. Non, je vois pas d'autres boîtes en fait.
Ah! Je suis con. J'oublie un peu souvent qu'on peut passer en dessous. Parce qu'à un moment, il y avait des lasers, pareil, mais je dashais, moi. Oh. Tomate éthérée. Je dashais, moi, pour passer. Mais en fait, on peut se baisser hein, dans le jeu. Hein. J'ai un peu oublié qu'on pouvait se baisser, moi. Hop là. Pas mal, pas mal. Ça a l'air sympa ici. Ça, là, je vais apprécier ici. Alors, vas-y, fais-moi rêver. Ah! ⅔% de défense, genre tout le temps. Bon, encore une fois, celle-là, vu qu'elle est complètement pétée. Mais après, par contre, 670 de dégâts aux ennemis assaillants. Peut-être pas mal. Moi, je veux essayer d'utiliser ça, en tout cas. Je vais essayer d'utiliser cette truc efficacement, on verra. Mais pas mal. Je partagerai merde. Ma perfection avec ce monde. Je vais t'ouvrir les yeux. Ouais, c'est ce que je voulais éviter de faire, c'est de rester dans une nouvelle zone. Parce qu'il y a un héros. C'est un lion le machin. Quoi ça, un spectre d'Ulysse? Oh la vache. Parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est juste des mecs qui aident. À nous deux. Oh. Adieu. 45 de combo. Voilà, ça c'est bien ça. Pourquoi attaques-tu ce que cette contrée recèle de bon, petite? Nous devrions ensemble apporter l'équilibre. Du coup, ça nous a donné l'emplacement de l'antre spectral. Ouais. Quand le truc nous attaque, après on l'a. Si on gagne, évidemment. Pas mal, pas mal.
Là, avec les enchaînements du bouclier d'Athéna, parce que c'est vrai qu'on tape plusieurs fois, et, il faudrait. Ouais, il faut absolument qu'on augmente les épées d'Arès, comme ça, ça fera 4 coups. Du coup, on va pouvoir vraiment bien, bien augmenter les combos rapidement, parce que là. Là, on était à plus de 45. Enfin, ou alors pile 45. Pas mal. Pas mal, pas mal du tout, même. Elle est où exactement celle-là? Sur la nouvelle zone ou pas? Donc ouais, avec l'armure qui augmente les combos, juste en tapant normalement, ça peut être pas mal. Encore une fois. Après, il y a la... Ouais, là-bas, ok, ça marche. Oh, oh mon dieu. Je sais même pas si on les one-shot, ça. Mal. Le nouveau combattant là, le nouveau héros là, ça va. Pas l'air très très compliqué, c'est juste qu'il a beaucoup de pets apparemment. Beaucoup, il peut invoquer beaucoup de pets et de dead. Donc un peu le problème quoi. Je voudrais juste tuer lui. Bien que on a esquivé très bien. De la merde, je pensais que... Je pensais qu'on allait le tuer... S'il était pas en vie, un moment. Mais du coup, j'ai mal jugé, et on s'est pris une baffe.
Sanctuaire divin, qui lui offre une meilleure vue de l'île d'or. Yeah. De l'automate. C'est quoi ça? Ah ok, c'est une boîte. Ok. Je peux sauter avec, ouais. Qu'est-ce que je fais avec ma boîte? Ça c'est con ça. Pourquoi se faire chier, hein? Cool. Si on a des pouvoirs, c'est pour les utiliser, hein. Putain, c'est deux fois. Ah, j'ai pas mon endurance. Je vais là. Ok. Ah, celui-là on peut pas sauter par contre. Ouais, d'accord, faut aller dans le bon sens pour éviter de passer par le laser. Ça, ce pouvoir de fait de porter les objets comme ça, là, c'est un des premiers qu'on a récupéré. C'est un des plus utiles aussi. C'est, on l'a récupéré aussi très vite. Donc, très content de ça. Attends, du coup, est-ce qu'il y a un coffre? Oui, bah du coup, là, bah, c'est bon, on peut partir. Je sais plus dans Zelda Breath of the Wild lequel pouvoir on récupère. Je crois que c'est créer des bombes. Pas trop sûr. Ou alors c'est le pouvoir de porter les démanteler les choses. Bah, un peu comme le même. Un peu ce qu'on fait là. Je sais plus. Oh. Très bien. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? La lave? Non, on est au port du Tartare. On a changé de zone. On va pas rester là longtemps. Tous en or ici. Croix, 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 croix.
Ça m'a surpris. Je suis en train de m'enfoncer là ou quoi? Non. Non, c'est juste qu'on était très loin en fait. Ça aussi, c'est bien que la vue comme ça, on puisse voir la vie des ennemis. Donc directement, on sait si. Enfin, si on va être dans la merde ou pas, quoi. Ouais, toi aussi, pousse-toi. Il y a du violet là-bas, on va y aller. Oh merde, j'étais trop près d'eux. Dans les dents. Faire autre chose ou pas? Je testais un peu le coup du. Des combos élevés, c'est pas mal si on arrive à. Ouais, ouais, non, il y a un truc, il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire simples avec les habilités. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, on va arriver à la fin de notre épisode de 2 heures. On va rentrer. Et la prochaine fois, je crois qu'on va faire histoire. Comme ça, on enchaîne, on débloque des choses avec Athéna et tout. Je crois, là, on a quasiment fait toute la zone et les endroits qu'on peut pas faire, il nous faut, ben, je sais pas, la prochaine bénédiction, le prochain pouvoir. Comme ça. Tu veux acheter, j'ai des choses à vendre. Donc ouais. Encore un peu de vie. Les armures sont très jolies hein, quand on est en cinématique de près. Elles sont très très bien détaillées, je trouve aussi. Texture et tout ça. Extrêmement potable. Bon, un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non. Alors, d'abord, il y a ça. Non plus. Il y a quoi exactement à faire? Vaincre les spectres dans leur antre. Ok. Et surtout les objectifs de la crypte du Tartare ordinaire.
Collecter les fragments de minuit dans des coffres nocturnes. Mener à bien les défis mythiques de constellation. Putain, on a le temps encore. Prochaine tâche. Il reste encore un jour, 20. Ah, Ozomène. On peut peut-être le faire la prochaine fois. Ouais, Ozomène, c'est peut-être bon maintenant. Force et la seule sprinter ne consomme pas d'énergie. Mener à bien la crypte en moins de 3 minutes 14, 2 minutes 57. Nous, on a fait combien? Hebdomadaire. Je sais plus. Je crois qu'on a fait moins de 3 minutes, si? Non, moins de 4, je crois. Le long chemin courir de la statue d'Arès au fort du porteur de bouclier. Ok. Je pense qu'on peut vaincre Osmoth, là. Tu te rappelles avoir dit les ténèbres ne peuvent rien contre les lumières de l'amour? Cinématique. Ah, je crois que c'est parce qu'on lui parlait en même temps. Alors. Alors. Déjà ça, c'est pas encore. Bientôt fini en tout cas. Alors, on a 19 000 de bleu. Je pense qu'on peut faire la même chose. Enfin, ah. Les casques, ça va être la fin. Ça va être la fin, les casques. Intéressant. Donc faut qu'on fasse ça deux fois. Pour l'instant, on ne peut faire qu'une fois. Ok, l'armure. Oh putain. Ah ouais, le violet, on trouve pas souvent. Pardon. Je pense qu'on va augmenter les haches. Pour les épées, je vois pas vraiment de choses intéressantes en fait à utiliser. Il y a l'attaque sprintée à l'épée, mais on l'a pas. Ça, c'est esquive parfaite. C'est toujours esquive parfaite en fait. Du concurrent, c'est pas mal. Dans le coup fatal avec combo à l'épée. Combo aérien. Ouais, peut-être le concurrent à la limite. Mais enfin, utiliser l'épée du concurrent. Par contre, ouais, on va augmenter les haches. L'étourdissement est trop important en fait dans le jeu. Pour passer à côté. Ah merde, mais je peux faire les deux. Non, je crois qu'on va sauver pour mettre les haches au maximum. Putain, on passe à 268 de dégâts. C'est ouf, quoi. On va ou pour faire... C'est à peine 5000 de bleu. Mais bon, le temps qu'on ait 770 de rose là, on a encore le temps, mais en tout cas oui, on va hache, casque. Oh non, le casque on peut plus du coup, parce qu'on a utilisé pour la tenue. Non, il faut 700 et 950 de rouge. Et oh ben, voilà ma cinématique, voyons. Ah mais attends, ça c'est les potions. Ok, maintenant on a les cinématiques qui s'enchaînent. Je crois qu'on a... Le jeu a pas aimé qu'on parle à Athéna en même temps. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches. Alors on avait dit qu'on voulait absolument avoir ça. Ah non, il manque une pièce quoi. Ah, il manque une pièce. Bon, on va s'arrêter là.
On va aller combattre Osmoth. On va faire les épées, mais bon. On va faire se sauver pour la hache. On va aller combattre Osmoth. Je vais réfléchir. Je vais peut-être, genre entre deux vidéos, là, je vais refaire mon équipement, moi. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Hein. Mais ouais, refaire le skin et tout ça, réfléchir. Et voir si j'achète pas un skin supplémentaire aussi. Bon, on verra ça. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.